bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4. On se retrouve avec Slan, Ardarin et Brudeuf. Comment ça va les gars? Ça va très bien. Je fais ma paix avec la perte et hop, c'est joli, on admire. Allez, je vais aller regarder ça. Ouh. Pareil. Ouh la belle bête. Voilà. Donc il y a la perte d'un côté et puis il y a le corasson perçant de l'autre. Hein, donc vous voulez pas tout de suite. Voilà, voilà. Je suis un peu déçu, je m'attendais à voir un gros truc, j'ai vu un gros truc bleu, je me suis dit, ah la Transoxiane. Bah non, mais la Transoxiane c'est pas Venise. Ah, j'ai un événement, dont gouvernement. 1200, ouais, c'est franchement ça m'emmerde de cliquer juste pour si peu. Allez. Alors vous... Je pense que moi j'étais content tout à l'heure, on m'a filé 700 balles, je fais oh yes, vas-y, envoie les thunes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec si peu, moi? Adramout a rejoint la coalition. Ah, la coalition se reforme. Peut-être parce qu'il doit y avoir toute l'Inde dans la coalition aussi. Ah, siège de l'île remporté. C'est alors, laquelle la meilleure colonie pour les... pour le commerce? Alors, pour le commerce, pour faire des sous ou pour la flotte du trésor? Pour faire des sous. Il y en a pas. Il n'y a pas de meilleur. C'est ça, c'est 5. Colonie autonome. Ça fait quoi? Sa grosse particularité, c'est qu'elle est beaucoup plus difficile à contrôler, mais en même temps, elle a un colon. Voilà, elle va grossir toute seule. Et je crois qu'elle fait plus facilement aussi des guerres coloniales contre les indigènes. Alors, société coloniale, droit de douane, puissance commerciale. Bon, quand j'aurais repris ces provinces-là, tu aurais bien voulu faire la paix. On va faire une colonie de la couronne. Ça sera plus classe. J'attaque l'Ethiopie. Alors, la Saxe. Ah, ça y est. Il veut bien maintenant. Ah, il m'a rien donné. Non, il veut pas bien. Pourquoi? On finira coup, la il main. A libéré encore plus de pays qui sont... chez les toujours protestants. Pas convertis. C'est ça? Ils sont c'était toujours avant, pas convertis. Ouais, toujours pas convertis. Voilà, c'est fait la paix. Mais du coup, quand je vais pouvoir le réattaquer dans quelques années, la Saxe, en 96, là je pourrais le convertir, il n'y aura pas de soucis. Et puis il a sacrément réduit en plus. Puis il n'y aura peut-être pas de coalition, donc du coup... Alors on va aller admirer la Castille. Oh, la Castille. Bah alors, tu l'as pas prise pris trop... Tout ça pour non, ça non, mais oh, je lui ai pris tous ces territoires en Afrique. Le mec. Et je lui ai pris une bonne partie de ses territoires en Europe aussi. Hein. Les cotonnades chez Venise. Oui, oui. La meilleure c'est façon de procéder est d'appliquer les méthodes mercantilistes. Ah bon? C'est pas moi. Je suis surpris. C'est alors. Parce que j'étais qu'à 99% de mercantilisme. Faut me comprendre. C'est pas de ma faute, j'étais obligé. C'est pas moi. La grosse coa qui se forme, non mais je te jure, c'est abusé, ils sont tous dans une coa contre moi. Bah je pense alors... que ceux qui sont pas dans une coa contre toi, ils sont dans une coa contre moi. Alors, les Mamouks, c'est en 88, qu'est-ce que je vais glander pendant 5 ans, je vais être obligé de taper des petits. Tiens, Banusia, t'es dans une coa toi aussi? Ouais, toi aussi. Bah du coup, je te fais une revendique. Allez, on va aller grossir un peu sur les indigènes. Bon, moi je vais me calmer sur les sièges en France parce que bizarrement mon manpower fond comme neige au soleil. Parce que t'as toujours pas fini ta guerre des ligues, mais qu'est-ce que tu glandes? Bah il y a beaucoup de forteresses en France. Tu peux pas m'appeler à l'aide? Bah non, tu crois quoi? C'est pas moi qui la dirige la guerre. Je croyais que t'étais plus puissant que ça. Bah non, je suis côté catholique. Ouais, mais quand même. Bah du coup c'est forcément l'empereur qui dirige, moi je ne peux strictement rien faire. Mais qui faire. Dit à l'empereur ce qu'il doit faire, c'est pas toi? Bah bientôt je vais lui dire de fermer sa tronche parce que je vais aller le taper, mais en attendant pour l'instant on est potes tant qu'il y a de l'hérétique à défoncer. Allez, je relance une vingtaine de manufactures. Alors la France elle est comment? Elle est pas très très bien, moitié moins de réserves, moitié moins de troupes. Elle commence à souffrir un peu, ouais, on dirait. Alors, qui veut aller dans la coalition? Multan et Afghanistan. Allez, on améliore Multan, on améliore Afghanistan. Il
faut 18 pour faire un... Allez, on va aller faire de l'expansion agressive au nouveau monde, ça changera. Bah oui, il faut faire tourner. Très bien, alors l'Afghanistan, comment... Gain de 1 en stab, ouais, bien sûr. Ah, j'ai un truc qui vient de passer, appel... La province existe toujours, elle a été relâchée. Bah peut-être. Indépendance garantie par Bourgogne, donc oui, le Nivernais, quand il a fait la paix avec le Nivernais, il a fait relâcher le Barrois pour la Provence. Bah tant mieux pour elle. Hein. Ah, il y a Verdun qui débarque dans le Nouveau Monde, d'accord. Pourquoi pas. Baisse de la demande en droit, alors magnifique, ça c'est à cause de tes cotonnades à côté, de tes conneries je veux dire. Mes cotonneries. Tes cotonneries là. Allez, presque fini ma colonie, on va pouvoir en lancer une autre. Ah tiens, il y a des petites troupes de 1000 français qui se baladent par-ci par-là, c'est vraiment dommage pour eux. Ils ont pas choisi le bon moment pour passer dans les parages, dis donc, il y avait 23 000. Le jour, on vient pas. Mais non, mais nous, on venait pas pour la guerre. Oui, bah, écoutez, pas de chance alors. Hein. Fallait pas mettre l'uniforme. Hein. Allez, Lancaster qui est protestant, on convertit. Bon, et bon. Lübeck qui est protestant, on convertit. Faut que tu me termines alors, ces protestants là, Teuton là. C'est insupportable. 23 000 hommes. Et alors son oui, armée... c'est insupportable, effectivement, tous ces hérétiques. Ah ouais, non, mais franchement... L'empereur, il y met pas du sien. Professionnalisme, 67% en Scandinavie. Waouh. T'as pas une mission pour devenir empereur ? Non. Attends, il est sérieux, Karakonono ? Il maintient pas ? Alors, on a des nouvelles unités. Infanterie. Bourrit ? Ouais. Infanterie de charge, c'est parti. On est en pleine guerre, c'est le bon moment. Ah non, mais tu fais pas le siège toi. Bah ok, je le fais, c'est bon, on se calme. Les bateaux. Il faut absolument que je garde toujours un diplomate à rien faire. Ça sert à rien ça. Quand est-ce que ça se finit ? Vinland. Fais donc ça. Moi je vais m'occuper de ça. La coalition s'en va. Pouvons-nous devenir le défenseur de la foi ? Ouais, mais tu l'es toujours, Teuton, on est d'accord. Oui. Je crois qu'il me disait que tu ne l'étais plus. Que lui. Putain, pourtant j'en ai pas beaucoup. Teuton, tu sais, avec tout ce qui se ramasse sur la tronche pendant sa guerre, il doit pas lui rester beaucoup de prestige. Alors, j'ai tout dépensé là parce que vu que le français il soutient plus des masses à côté, j'ai claqué tout mon prestige pour fidéliser la Moravie dans l'espoir que. Le français arrête de la soutenir. Et le 27 février 87, il faut absolument que j'ai un diplomate de disponible. Sinon, il va me retirer un diplomate quand ma politique va s'arrêter. Et ça pourrait très bien être le diplomate en train d'annexer Naples. Hein, ça me l'a déjà fait dans une simulation. Ça m'avait pas plu. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ça vous dérange pas, je recharge là. Ça fait bien plaisir. À peine un petit peu. Alors l'Éthiopie, bah on éthiopise, hein. Ouf, comme ça, voilà. Hop. Quoi, bon, encore bon. 1500 ducats perdus, tu crois que j'ai les moyens? Ouais, chasser les pécons. Prends la moitié de ma réserve. Ces manufactures perdues, c'est incroyable. Ah mais on a des bastions améliorés, dis donc, j'avais pas vu. Voilà une bonne manière de dépenser de l'argent, à faire des bastions. Je relance 4 manufactures pour être sûr. Gâché. Avec les coalitions, hein. On fait n'importe quoi, mais quand même pas trop. Ouais. Bon, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était sorti de la coalition. C'était pas toi, Farce ? Si, c'est Farce qui est sorti de la coalition. Allez, bim, je t'attaque. Pourquoi t'es sorti de la coalition avec Pic ? T'es en train d'attaquer... Transoxiane attaque la Perse ! Eh oui, elle veut prendre la partie à l'est. Comment elle a fait pour passer ? Bah, elle était touchée. Ah, mais on a pris un vaisseau léger. Ouais, mais...
Moi, j'ai pas donné le droit de passage, mais Caracol Yonu l'a peut-être donné. Ouais, bon. Le commandant nous a quittés. Ah bah non. Ah ouais. Bah non. Indépendance du Brandebourg. Mais les gens, mais... Alors, le Killua. Le Killua, t'as pas l'air d'être rentré dans la coalition. Pourquoi tu rentres pas dans la coalition? Melinde, Marianne, Warzangali. C'est dingue, ces gens qui sont pas fidèles, là. Warzangali, Melinde... Et on a dit qui, Killua? Redis-le. Maeran, Warzangali et Melinde, c'est là-bas, d'accord. Je peux enlever les troupes qui sont là. L'astuce pour les guerres coloniales, c'est on prend tout et derrière le jeu, elle signe automatiquement... À tes colonies, ouais. À tes colonies, ouais. Ça, t'es sûr de pas te planter. Mais faut pas y aller comme un bourrin comme ça, parce que par exemple, moi, le Mexique, quand tu fais ça en 10 ans, t'as pris tout le Mexique, mais après, il met 150 ans à s'en remettre. Ouais, ouais. Ah oui, non, bah après, ça... Les deux mois, voilà, c'est quoi. Quasiment que le Mexique où faut faire super gaffe. Ouais, parce que tu prends des gros morceaux d'un seul coup, quoi. C'est un vrai nid en merde. Bah là, il y a les Hurons, ils sont un peu énervés, quand même. Bon, le Français, il capitule, il a plus que 10 000 hommes. Jamais! Jamais! Pour les protestants! Jusqu'au bout! Alors, pour ceux qui ont envie d'aller affronter l'empereur de Chine, sans demander à Céleste, toutes les réformes passées, il peut donc maintenant annexer ses tributaires. Enfin, les vassaliser, puis les annexer. Ouais. Pas mal. C'est Boudave d'ailleurs, puisque c'est Boudave qui nous a amené vers cette connaissance. Bah, j'ai des cartes de partout, moi. Du moment qu'il y a des côtes, j'ai les cartes. Non, c'est surtout la vraie connaissance du jeu, parce que tu l'as joué, le Mandat Céleste, il y a peu de temps. Ah ouais, j'ai pas avec brio, mais ouais. Au moins on a appris que pour vassaliser les tributaires, fallait avoir passé toutes les trucs. Pas avec brio, totalement gratos, quoi. Bah, le pas avec brio, il est très réaliste. Hein. Oh, j'avais un joli Ming au moment où je me suis arrêté. Oui, au démarrage, en 1444, quoi. Bon, moi, il paraît que j'ai de la lassitude de guerre. Je vois pas de quoi il parle. Franchement, moi, je suis obligé de conquérir les provinces et après de les convertir parce que le teuton est pas capable de faire son taf. C'est un peu la déception, quoi. Wow, tu te calmes tout de suite. J'avoue que c'est assez déceptivant. Ah ouais, non, mais franchement, imaginez la tristesse du truc, quoi. Bon, bah on va payer Gujarat pour qu'il sorte de la coalition. Je peux purger ta dette, Gujarat, si tu veux. T'as 200 de dette. Ça, c'est la fédération des... Des comment ? Toi aussi. Des Jichichi. Ok, on a un Kazubeli sur la fédération des Jichichi. Le Kazakh veut pas s'allier ? Mais t'es couillon, quoi ? Allie-toi ! Bon, bah... Du coup, je te vassalise. L'Ouzbek veut bien... Famille religieuse différente et le Kazakh il veut pas. Ah ouais, Rupin il déconne pas quoi. Le mec il me demande un accès militaire, je lui refuse. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'outrage quoi. Ça va, c'est. Direct. Y'a pas de demi-mesure quoi. C'est non, il y a des super alliés hein. Ansbach et Brunswick, attention. Hein. Pas suffisamment de rivaux. On peut prendre qui maintenant en plus? Le Portugal. Ah, dommage. Yes, c'est bon, on a gagné. On a gagné. Ils ont réélu la Bourgogne comme... Bah oui. Il a été confirmé. Triomphe de l'Empereur. Oups. La Toscane rejoint la coalition. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai juste pris 2-3 terres à la Provence pour arrêter de délirer. Ah, mais c'est quoi ça? Des séparatistes provençales? Puissance des missionnaires plus 1, tolérance à la frappe plus 1, modif d'accroissement de l'autorité impériale plus 25. Munster, t'as pété l'alliance, tu crois pas que je vais te laisser passer non plus? Non mais oh. Easy se joke. It is. C'est quoi cette petite merde? Allez, Mohican. Pardon, Mohican, je voulais pas être insultant, mais. T'es quand même un petit peu tout permets-moi seul. Permets-moi de t'insulter avec diplomatie. Permets-moi de te dire que tu es une petite. Disons que ton pays a une couleur discutable. Allez, dégave en fait contre Killua parce que j'ai pas beaucoup de temps là. Hein. On va laisser se remettre un peu là. Verden, il y a un drapeau noir et tout, c'est le drame. Hop.
Ah tiens, j'aurais oublié de passer la tech 15 administrative. Faut pas passer de tech administrative. Faut faire des doctrines. Encore tech 10 en admin. Des doctrines, des doctrines. Je suis à la ramasse en tech. Et moi je suis en train de quasiment finir mon quatrième set de doctrine, Boudef. Ouais, j'ai pas encore fini le deuxième. J'ai pas fini le quatrième. Ouais, moi j'attaque le quatrième, on va dire. Donc, on est à peu près tous au même endroit normalement là. Il y a Sibir. C'est très intéressant ça. Par le bout de. C'est très intéressant. Oh, ça y est, il y a des gens qui rejoignent la coalition, la guerre des ligues est terminée, ça y est, voilà, nanana. Oui, vous avez pris du territoire. On n'est pas content. Je remarque, n'empêche que l'empereur n'ose pas me demander de le rendre par contre. C'est trop tard, il a un an pour le faire. Dès que t'as légitimé, c'est mort. Ouais. Il a fait un petit peu caca tout mou, faut croire. Bah, il doit pas être dans un bel état. Déjà, est-ce qu'il a. L'autorité impériale étant à zéro, il pouvait pas te le demander. Hein. En plus. Ah, on a réussi une requête des bourgeois. Ça, c'est bien, ça. Les bourgeois. Oh ! Chez moi, ils sont au pouvoir. C'est étonnant. Alors, voilà, on a une surprise, on apprend des choses. On a des nobles qui se rebellent. Alors, où sont-ils que je les défonce ? Moi, j'ai même plus de nobles. Ouh, 422 ducats parce qu'il y a l'essor du café. Bah merde, voilà qui est intéressant. Alors. Bon, ce crétin de français, il peut arrêter de soutenir l'indépendance de mon vassal là, oui ou merde ? Pourquoi merde. Tu t'appelles quatrième flotte, toi ? C'est complètement con comme nom. En plus, c'est la seule. Bah ouais, un peu. Alors, comme ça, ça se rebelle en Écosse. Je vois. Adolf Amundsen, le prétendant scandinave. Bah Adolf... C'est pas un nom qui porte chance. Hein. Ouais, je pense qu'on peut utiliser ce terme, ouais. Non, j'ai vraiment personne à excommunier à part le Portugal, c'est une tristesse. Ah, bah, je vais faire une manufacture à Londres. Portugal. Mais oh, je suis un catholique pur jus, moi, au Portugal. J'ai aucune province... Mais t'as pas la bonne foi. Bah si. Catholique. Mais t'as pas la foi de la foi. Il a pas l'impression que t'es fortement convaincu, quoi. Voilà, ouais. Regarde, moi je fais. On convertir les Bermudes. Moi je dis, je suis catholique, quoi, à fond. Toi, t'es monétariste. C'est clair. C'est pas pareil. Je l'avoue. Oh mince, ma corruption est déjà finie. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Il faut vite que je me rendette. Non, que je me dévalue. Yeah, je me suis dévalué. Tu viens de tomber dessus avec 8000 hommes, bah écoute, vas-y, fais ça. Ça me paraît une bonne idée. Non, pitié, ne me fais pas mal avec tes 8000 hommes. Autriche arrose donc la coalition contre nous. Le mariage royal avec le Portugal est rompu. Bah ouais, ce traître. Ah non, je viens de crever. Traître est mort, c'est tout. Excuse-moi, un peu mort. De ah, guerre des paysans, merde. J'ai pas de réserve. Ouais. Et je suis à moins 1 de stab. Ah. Moins 1, on n'a pas le droit d'être à moins 1, c'est interdit. Bah, tu vois, si jamais t'avais pas cassé l'alliance, j'aurais pu venir. Non, mais non. J'aurais pas pu, non. Ah bah, j'aurais envoyé des troupes, quoi. Bah, non. Ah, ils sont en guerre. 68 000 hommes. Ça va, je suis en guerre. En guerre contre quoi? Contre Mossis, Bénin et Dagbon. Ah ouais, je vois. Monsieur tape sur des Africains, belle mentalité. Bah, faut bien que je crête un peu mon pays, quoi. Je comprends. Alors que moi, c'est vrai que je suis en guerre avec Kilwa, mais j'ai tout le respect pour lui. Pas pareil. Allez, on va appeler un peu le Pays-Bas dans la guerre. Un peu. Tu l'appelles un peu. Ouais, je suis pas sûr qu'il vienne avec beaucoup d'hommes. D'accord. Alors tu l'appelles complètement et lui il vient un peu alors. Voilà. C'est ça. Simple et efficace. Bon, les prétendants, c'est fait. Adolf 1 Amundsen est renvoyé. Voilà.
J'avais un Chaos Belly contre Munster. Moi. Ah ouais. You're fired. Très bien. Je sens que l'intégration de Kazan, ça va me coûter cher en capacité administrative, ça va piquer. Eh mais je me suis gouré, c'est Bavir qui avait cassé l'alliance, pas Munster. Excuse-moi Munster, je viens de filer un accès militaire en fait si tu veux. Et là il tout trash quand même. Je t'ai mort. Tu m'as parlé comment toi? Bah du coup je vais lui demander de me transférer de la puissance commerciale à la place. C'est gentil. Tu les autorises à te transférer de la puissance commerciale. Ouais, je suis comme ça. Je sais, c'est assez novateur comme manière de gouverner. Mais... Bah oui. Warzangali veut me filer 10% de son revenu. T'es conscient, Warzangali, que si tu me donnes 10% de ton revenu, ça se verra pas sur les livres de compte. Oui, mais il aura l'impression... Sur ses livres, oui. Voilà. sur ses livres, il aura l'impression qu'il va t'aider un peu, quoi. Et sur les miens, ça va pas se voir. Hein. En fait, l'Angleterre est plus dans la coalition. Elle est alliée à la France et à Saxe. Tu veux venir, Teuton? Non, je... Attends, à quoi... Ah, la France vient pas. Ah, mais la Saxe et Ulm, non, la Saxe et Ulm sont dans une coalition. C'est pas drôle. Oui, mais c'est pas grave, attaque l'anglais. Trop de messages d'un coup. Bah non, du coup, Ulm et la Saxe viennent, et comme ils sont dans ma coalition contre moi, ils me tombent dessus. Oui, mais Saxe et Ulm, tu t'en fous, ils sont tout petits. C'était tout petit. Ils sont dans la coalition contre moi, donc la coalition vient. Non. Ils cochent pas la coalition. Non, vient pas. Si tu coches pas la coalition, vient pas. C'est d'ailleurs comme ça qu'on sort les gens de la coalition. Bah, du coup, c'est marqué. Si ce pays entre en guerre contre nous, tous les pays de la coalition seront appelés à prendre les armes, même si je le coche pas. Mm-hmm. Ouais, donc, mais c'est faux. C'est un mensonge. C'est comme quand tu coches pas et qu'ils viennent quand même. Enfin, là, c'est l'inverse. Mais t'as une trêve avec l'Angleterre, Teuton ? Bah oui. Bah oui, ils étaient dans la guerre des ligues. Ils étaient dans la guerre des ligues, mais ils sont cons. Bon bah... Faut pas dire. Tant pis, on y va à la main. Hein. Oh, l'autre, il se fait dessus parce qu'il faut qu'il attaque un monoprovince, quoi. Une sauvegarde, Slan. Ouais, je vais faire une sauvegarde. Trop tard ! J'ai failli. Alors, elle est venue la Koa ou elle est pas venue? Bah elle est, non, pas, elle venue. Est pas venue. C'est un bug. Il est où le fort? Ah, il est bon. Le fort. On avance un peu là. J'ai pas que ça à faire, moi j'ai mon même look dans 2 ans là. Alors go. Le Killua, c'est pas que tu m'emmerdes mais... Vache, il commence à avoir des fusils les indigènes. Ça déconne plus là. Putain, il m'a fait peur. Le Killua, il avait 503. Et après, j'ai vu que c'était des bateaux. Mais... qui m'a foutu. La vache, j'étais en Angleterre et Verden, il arrive avant moi en Cornouailles, quoi. Le mec est tellement vénère qu'il débarque avant que j'ai réussi à faire le chemin à pied. Bah, il a peut-être des fusillés. Bah, il a pas fini de débarquer, mais il est en train, quoi. Ah. Ils ont déjà des trains? Ouais. Bah, je te dis, il est énervé. Alors, soit je paye de la thune, soit je perds de la stab. Bah, la thune. Les trains, c'est Victoria 3. 4-6-3, ça va me faire un quoi? Un 5-6-4? Bon, allez, je prends. Alors, le soulagement, il est où? Dans ta coalition. Bonjour. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas dans la tienne, je parle de celle de Slan. Et vassaliser un Ouzbek. Oh le pauvre. Eh hey, mais t'as laissé passer les mecs par chez toi, Slan. Dagbon et Bénin là, ils viennent de chez toi. Non. 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 Ah, le Ming a perdu le sud. Ah, bien, 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 bien. Mais moins 5 en Mada. Mais qu'est-ce qu'il fout? Il y a Yue, Min, Wu qui existent maintenant, et il a encore des... Non, ça c'est de la populace. Les autres, je vois pas. Il doit y avoir... Merde, c'est quoi le truc blanc tout au sud-ouest du Ming? J'ai oublié le nom. Dai? Les Chinois.
La Saxe. C'est Dali. Bon. Dali, voilà. Dali, Yue, Ai, Ming, Wu et Min. J'avais raison. Ouais. Moi, je vois tout. Ah, ok. Et puis, il y a plein de rebelles chez les Ming. Ouais, enfin, ceux que je vois, c'est de la populace. Comment il s'est démerdé avec un mandat au max, toutes les réformes passées pour exploser? Assez simple, l'Oira t'es pas tributaire. Ah, il a dû avoir la frontière nomade, ouais. Ça pue. Et il a plus de 5 emprunts. C'est pas bon ça. Y'a bien un truc que t'as pas le droit d'avoir quand tu joues le Ming, c'est des emprunts. Ouais. Allez, petit siège, tombe. 6-4-2, notre dirigeant, c'est bien ça. 6-4-2, ouais, c'est pas mal. J'ai un 5-6-4 sinon. Ah, les séparatistes brandebourgeois se sont soulevés juste sous mon vassal et ils ont stack wipe ses troupes. C'est pas de bol. Ceci appelle une juste vengeance. Les 64 bateaux du Kilwa viennent de m'affronter. Ça va piquer cette bataille. Et allez, le petit bilan de la bataille, vas-y, dis-moi. On peut convertir. C'est là, j'ai déjà pas de navire. 6 bateaux capturés, c'est tout. Putain, l'arnaque. Pourquoi c'est grisé ça? Ah, c'est une colonie. Oui, bah, du coup, effectivement. La bataille elle a été instantanée. Hop là. J'enlève des forts un peu partout là. Non, ça c'est je fais des forts. Stop, 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 stop. La corruption, je veux bien, c'est gratos. La corruption elle part toute seule. Ouais, la corruption elle part à 0,54 par an, c'est vraiment pas mal. Ben 0,66. Ben, vous payez ou quoi vous? Ah non. Ah bah je paye, oui. Ah moi je paye pas, j'ai que des bonus. Ah mais moi j'ai un plus 0,20 à cause de la recherche déséquilibrée et plus 0,20 à cause d'une réforme gouvernementale. Comment te dire, je suis un petit peu obligé de payer. J'avoue. T'es un peu maudit. Ouais, ça va, je suis redescendu à 8. Faudrait que j'étudie ça. 60% de score de guerre, il me faut. Allez, on se regroupe et on marche sur Ulm. T'as le droit de le convertir, Ulm. Bah, la Saxe et Ulm, je pense que je vais pas trop grider, que je vais pas prendre de territoire et que je vais me contenter de les convertir. Arrête ton char, converti. Prends tout. Là, tout quand même, prendre. Ça serait un peu gourmand, je pense. Dégonflé. Est-ce qu'on peut voir comment les gens m'apprécient? Et comment ils t'apprécient pas aussi, peut-être? Ah, franchement, ça va! Fait, ouais. C'est pas si mal, hein! C'est pas si mal. C'est honteux. Si ça se trouve, tu les payes. La France, elle veut le mes provinces. Pourquoi tu veux m'enlever de la corruption? Coucou, Ulm! Bisous. Ah, j'avais plus que 686 marins, on me propose quelque chose pour avoir 20 000 marins de plus. Ouais, allez, tiens, je prends. Reddition sans condition. Ah bah voilà. Alors, Ulm. Imposer la religion, voilà, repas de guerre. Il veut pas. Voilà, bah, 20 000 marins. C'est fait. On va te raser ta province alors, si tu veux pas, c'est tout. Hein. Là, il y a toujours des événements chités quand même. Hein. Ah, pas du tout, c'est mon parlement qui m'a proposé ça. Ah. Ah, c'est chité quand même. J'avais le choix entre 6 trucs du même genre. Bah, le parlement, c'est chité, mais. Et 20 000 marins, c'est le maximum que je peux avoir. Ah oui, bah, c'est ça, c'est le principe. C'est ça, trop au max. Moi, mon maximum, c'est 25 000. Allez, on a bientôt 100 000 réserves. Bien joué.
Ça, ça me fait penser que je vais dépenser 38 000 réserves pour améliorer la vitesse à laquelle un bâtiment se fait. Il est comment notre héritier? Non, on va prier pour sa vie. Hein. Athènes, je pense. Hein. Ah, il a survécu. Voilà. Le con. Je viens de dépenser 30 000 hommes sacrifiés pour créer le Parthénon. C'est beau. Ah bah fallait ça. Hein. Bon. Pas minimum. Faire une brèche dans les murs, faut que ça avance. Sofala, je peux prendre Boudaf, c'est pas dans ta zone. Sofala, c'est où ça? C'est les mines d'or du Kilua. Ah non, tu prends pas. Si, si. Oh, ouais, oh. Il garde tout pour lui, hein, c'est fou ça. Genre, tu vas lui laisser des mines d'or, Slan. Bah, pour l'instant, je vais prendre le nord, la partie commerciale, on verra plus tard. Mais qu'on a fait un partage, c'était quand on était alliés. Bah ouais, c'est bien ce qui me semblait. Allez, faut que ça tombe, c'est fort là. Y'a pas de reddition sans condition qui tienne, je veux les convertir moi. Y'a rien à branler. J'aime bien entendre ça. Ah, je peux vassaliser la... Je peux vassaliser la sac, ça fait 60 d'expansion agressive. Si tu fais ça, je romps mon alliance avec toi. Et si j'impose la religion et que je le vassalise, tu restes? Non plus. Si t'as encore une trop grosse coalition contre toi, je me barre et je te laisse dans ta merde. Allez, 94 de surexpansion. Je pense que le risque, ce serait d'avoir la France qui rentre. Là, ça serait un peu la merde. Je vais prendre un nouveau rival. J'ai le choix entre Teutonique, Portugal, Scandinavie et je coche Ming. Moi, je peux même pas prendre le Ming encore comme rival, ça m'emmerde. Je l'ai eu pendant un moment, il me le repropose plus. Moi, pareil, il me le propose pas. Disons que le Ming, il a pas mal baissé là. Il est plus qu'à 517, mais il a deux institutions de retard aussi, c'est imbécile. Bah, c'est pour ça que ça me surprend que le Vénitien puisse le prendre. Moi, je prends qui je veux. Et c'est surtout le Ming. Et là, j'ai pris le Gold au hasard. La trêve est enfin finie. Ah, je peux dorénavant attaquer le Portugal. Bah, ça tombe bien, l'épisode, il est aussi fini. Ça, c'est presque dur. Mon siège. Allez, non. On s'arrête là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à passer voir les vues de tout le monde. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. A plus tout le monde. Salut. Bye bye.